Astuce pour que mon chéri me donne l'argent. Ce que tu vas faire, ma chérie, tu prends d'abord l'argent que ton mogot t'a remis en main propre. Je n'ai pas dit l'argent qu'il a donné à ta voisine. L'argent qu'il va te donner en main propre. Tu cherches sept clous de girofle comme ceci. Tu prends sept feuilles de basilic. Tu vas bien piler les basilic. Tu piles les clous de girofle. Je n'ai pas dit d'aller prendre les clous de girofle écrasés. Il faut prendre, c'est une mesurette. Sept pièces, tu écrases. Tu mets dans ton eau de bain. Ton eau que tu vas te rincer avec. Tu prends aussi les sept feuilles de basilic. Tu haches aussi. Tu mets dans le même seau de bain. Tu prends l'argent que ton chéri t'a donné. Tu trempes dans cette eau. Tu trempes dans cette eau en faisant tes vœux. Tu retires, tu déposes à côté. Maintenant, tu pars prendre ton bain avec ça. Quand tu finis, tu ne mets pas la pommade. Tu ne sèches pas ton corps. Tu laisses, ça va sécher tout seul. L'argent, tu vas sécher l'argent. Le lendemain, tu refais le même astuce. Cette poule de girofle, cette feuille de basilic. Et tu prends encore le même billet, tu trempes. Cette astuce est à faire 3 fois. Après, quand vous avez fini de faire, prenez cet argent, allez faire le sacrifice avec. J'attends votre témoignage. Faites vos vœux. Les vœux, c'est la base. Ce n'est pas les effets. Ce n'est pas les choses qu'on raconte. J'attends vos témoignages, les filles. Si c'est les garçons qui veulent faire l'astuce, c'est neuf. C'est neuf clous de girofle et sept feuilles de basilic. Bonne chance à tous. Devenez riche. J'attends les témoignages. Bye bye.